et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Je n'ai jamais été Christine O'Krent pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 qui ont un ministère d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Je n'accepte pas le sort que l'on fait aux dissidents dans de nombreux pays. Je n'accepte pas la répression contre les journalistes que l'on assassine ou que l'on veut bâillonner. Le silence est complice. Je ne veux être complice. Par la scène est accueilli en bas de marche. À travers le monde, tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. La guerre en Afghanistan divise la classe politique. À l'Assemblée nationale, François Fillon annonce un renfort de quelques centaines de soldats français. La gauche parle d'alignement sur les États-Unis. Souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, ce que disait le candidat Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que les troupes françaises ont toujours leur place en Afghanistan ou il faut à terme envisager un départ? Les troupes françaises à cet endroit du monde ne me semblent pas décisives. Mais même s'il faut poursuivre, je dirais, une présence pour empêcher les talibans de revenir au pouvoir? Je vous ai dit quelle était ma réponse. Sur les remboursements des frais dentaires, des lunettes. Allez-y. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses. Les Français ont un remboursement qui ne doit pas être supérieur à 30%. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%. Le gouvernement souhaite confier aux mutuelles la totalité des remboursements des frais d'optique. Lunettes et lentilles ne seraient plus remboursées par l'assurance maladie. Si vous transférez les dépenses qui étaient auparavant remboursées par l'assurance maladie, si vous les transférez sur les complémentaires santé, ce sont des charges nouvelles, donc il faut des augmentations de cotisations. Après l'optique, les frais dentaires pourraient également subir un désengagement de la sécurité sociale. Or 8% des Français ne bénéficient pas de mutuelle santé complémentaire. Madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste me confirmer, savoir si les frais d'optique ou voire d'autres frais vont être déremboursés par la sécurité sociale? Les médicaments, justement. Je ne suis pas d'accord avec la franchise par boîte de médicaments, parce que ça pénalise celui qui est très malade. Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, de 50 centimes sur les actes paramédicaux, et de 2 euros sur les transports sanitaires. Deuxième question, y aura-t-il une médecine à deux vitesses? Ma réponse, c'est non. Alors restera deux problèmes quand même. Le problème de l'hôpital, on ne pourra pas laisser ouvert tous les hôpitaux de France. Comme ici, dans l'Essonne. D'ici un an ou deux, l'hôpital des Temples, 20 km plus loin, sera peut-être le seul à offrir un service d'urgence. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Depuis le début de l'année, les prix du gaz ont progressé de 9,5%. Les tarifs ont régulièrement augmenté, comme le montre ce graphique, plus 25% en 3 ans. Un mot sur le financement de l'audiovisuel public. Sur la question de la redevance, Nicolas Sarkozy a finalement changé d'avis. Le chef de l'État a annoncé hier à des professionnels qu'il acceptait de l'indexer sur le coût de la vie. La semaine dernière, il s'était opposé à une hausse même de 2 euros de la redevance. Je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. En janvier dernier, un plan d'action pour les sans-abri prévoyait la création de 27 000 places. On est aujourd'hui loin du compte. 3 millions d'entre vous qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse. J'augmenterai de 25% vos retraites. Pour les retraités cette fois, qui verront leur retraite augmenter de 1%. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Il ne reste pas assez quand on a travaillé tout le mois. Je veux être le candidat du pouvoir d'achat. Je veux être le candidat de l'augmentation des salaires. Puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde.
Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Je n'ai jamais voulu monter une catégorie de Français contre une autre. Mais je dis qu'il faut savoir terminer une grève. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Derrière ces grilles, près de 100 000 euros déboursés chaque jour l'an dernier. C'est sur l'année 3 millions d'euros de plus qu'à la fin du quinquennat de Jacques Chirac. L'Élysée a donc demandé au ministère de la Défense de renouveler la flotte présidentielle pour acheter d'ici 2012 les bijoux de Dassault Aviation, 4 Falcon 2000, 2 Falcon 7X, ainsi qu'un Airbus A330, comme Angela Merkel, précise l'Élysée. Estimation d'un spécialiste aéronautique, 300 millions de dollars, plus de 200 millions d'euros, plus les 5 000 euros d'heures de vol, facturés ensuite à l'Élysée. C'est pas l'argent dans les caisses. Pouvoir d'achat, vous êtes impatient ? Nous aussi. Augmentation substantielle de son salaire, de 6 594 euros aujourd'hui à 20 000 euros par mois. Il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Cette campagne coûtera un peu plus de 4 millions d'euros. Rachida Dati, elle est critiquée sur la gestion de son budget de frais de réception. Pour l'année 2007, une rallonge de 100 000 euros a déjà été versée et que pour 2008, les deux tiers du budget ont été dépensés alors qu'on n'est que fin mars. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Mais depuis un an qu'il est président, cette dette s'est encore aggravée. Et depuis le début de ce reportage de 2 minutes, cette dette s'est encore alourdie de 230 000 euros. Et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. C'est absurde. Ne tenez pas vos promesses. La droite trébuchera peut-être. On vous le remet. La droite trébuchera. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Passe-toi alors. Oh, ah, quel homme, oh.